Voilà, on commence notre cours. On est aujourd'hui le mercredi 15 juin. On est le 13 Sivan. Et on pourrait dire d'une manière très solennelle que, une fois de plus, une nouvelle année nous ramène, comme chaque année, à cette paracha qui est sans doute le plus grand mystère de toute la Torah et en même temps l'un des plus grands mystères de toute notre histoire. Chaque année, on revient avec le même étonnement, avec les mêmes questions et la même incompréhension. Mais qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui surtout continue à se passer? Je fais bien sûr allusion à notre paracha, la paracha des explorateurs. Ce refus d'Israël, alors qu'il est aux portes géographiques de l'entrée en Israël, et aussi aux portes spirituelles de l'entrée en Israël, puisque la promesse peut maintenant se réaliser. Et voilà que, au moment où tout est possible, ils font tout pour le rendre impossible et finalement créer le plus grand problème de notre histoire, celui qui nous a valu 2 destructions de temples et 4 exils, puisque ce refus, ce découragement de rentrer en Eretz Israël, lorsque les explorateurs reviennent découragés et découragent le peuple de rentrer, à ce moment-là, Vaïf Koubalaïla, où ils ont pleuré cette nuit-là, nos maîtres disent que cette nuit-là était la nuit du Tisha B'Av, du 9 Av, et à ce moment-là, il a été décrété, vous avez pleuré pour rien cette nuit-là, et malheureusement, vous continuerez à pleurer dans toutes les générations, jusqu'à la délivrance finale, car c'est le même jour que 2 temples ont été détruits. Quantité de grosses catastrophes se sont produites le 9 Av, entre autres l'expulsion des Juifs d'Espagne, l'expulsion des Juifs d'Angleterre, quantité d'autres catastrophes, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas terminé de payer cette faute, puisqu'elle ne sera véritablement réparée qu'au moment de la délivrance finale. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ribono shel Olam, essayons de nous remettre dans l'ambiance de l'incompréhensible. La première fois que Dieu s'adresse au premier fondateur d'Israël, Abraham, c'est pour lui promettre la terre. Il ne lui parle ni de Torah, ni de mitzvot, ni de religion, ni de morale, ni de sois gentil et ne sois pas méchant, ni de monde à venir, ni de monde futur, ni de paradis, ni d'enfer. Suis-moi vers la terre que je te montrerai. Abraham le suit. La première chose que Hachem fait lorsqu'il arrive sur cette terre, et ni tu es gentil, tu n'es pas méchant, tu auras le paradis, tu n'auras pas l'enfer, sois religieux, sois bon, fais les mitzvot, mange kasher, fais shabbat, étudie la Torah, prie, rien. Cette terre, je te la donnerai. C'est la seule chose qu'il lui dit. Les premières paroles, et ça va suivre et poursuivre Abraham tout au long de sa vie, la seule chose que Hachem lui dit constamment, c'est « Je te donnerai cette terre. »« Je te donnerai cette terre. » Et donc, si c'est la seule chose que Hachem lui dit, c'est donc quelque chose qui est fondamental. Ça veut dire que Hachem n'est pas un philosophe, c'est pas Stam un parleur. Hachem va à l'essentiel. Évidemment qu'il y aura la Torah et la morale et la religion et la kashrout et le Shabbat et tout le reste. Mais ça, ce sont les moyens d'arriver à l'essentiel. L'essentiel, c'est la terre d'Israël. Donc Hachem livre à Abraham le message essentiel. Terre d'Israël. Après, le chemin pour y arriver, t'inquiète pas, je m'en occuperai aussi. La kashrout, le Shabbat, la religion. Avec un grand R. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est la terre d'Israël. Pareil avec Yitzhak, pareil avec Yaakov, pareil avec Moïse, avec Moshe. Même Moshe, celui qui nous donne la Torah, donc celui qui est concerné par les moyens du but, même lui, pas un mot, à peine une vague allusion
décrypté par Rashi au moment où Dieu s'adresse à Moïse pour la première fois au moment du Sné et qui lui dit va libérer mon peuple, etc. Il y a une vague allusion au fait que après la sortie, il y aura le don de la Torah. Et c'est même pas marqué explicitement. C'est nos maîtres qui décryptent une allusion dans le verset. Mais la seule chose dont parle Hachem à celui qui, quoi qu'il en soit, est aussi celui qui va nous donner les moyens, la Torah, qui pour beaucoup est aussi pris pour un but. Non. Comme à Abraham, comme à Yitzhak, comme à Yaakov, il ne lui dit qu'une chose. Tu les sors de là-bas pour les amener en Eretz Israël. Ça fait donc, depuis Abraham jusqu'à Moshe, ça fait 500 ans qu'on entend le même discours. 500 ans. Et le discours commence maintenant à devenir réalité. Il rentre dans l'histoire, sorti d'Égypte, et tous les événements et tous les miracles qui accompagnent la sortie d'Égypte, ils se rendent compte avec leurs yeux, avec leurs oreilles, que ça marche, que c'est vrai, que ça se réalise. C'est pas seulement un projet utopique, même s'il a fallu attendre 500 ans depuis Abraham pour qu'il commence à se mettre en place. Et tout marche, une sortie d'Égypte inimaginable, une ouverture de mer, un don de Torah, la manne, tout est complètement de la science-fiction. Et ils arrivent enfin à la porte, elle est déjà défoncée avant même qu'ils ne l'ouvrent. D'où je sais qu'elle est défoncée, je l'ai expliqué en détail dans un autre cours qui est sur le site aussi, un cours donné ce lundi sur cette paracha, mais où j'explique, je ramène juste la petite preuve en ce qui nous concerne dans le cours d'aujourd'hui, que les Cananéens étaient terrorisés à l'idée que les Juifs étaient à leurs frontières. Et la preuve, c'est que 40 ans plus tard, lorsque la génération qui est née dans le désert finira elle par rentrer, Rahav annonce aux explorateurs que les hommes sont terrorisés. Et excusez-moi de le dire tel que nos maîtres l'expliquent, c'était une prostituée qui savait très très bien si un homme a de la force ou non, et plus personne n'est capable d'eux. Ils n'ont même plus l'envie, plus de force, tellement ils sont terrorisés. C'est 40 ans après, imaginez-vous, quelques mois après la sortie d'Égypte. Ce qui fait que les explorateurs les ont vus comme des géants préparés et les attendant, est incompréhensible, comme je l'explique dans ce cours que je vous invite à écouter. Incompréhensible! Puisque c'était impossible qu'ils étaient prêts et les attendaient, puisque 40 ans après, ils fondent encore comme de la cire. Donc à plus forte raison face à la génération qui est là, qui vient de sortir d'Égypte et qui est témoin de tous les miracles inimaginables. Donc pourquoi ont-ils vu des géants alors que ce n'étaient pas des géants? C'est un cours en soi, peu importe, c'est pas notre cours aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, ils sont à la porte est ouverte, la porte est défoncée, les murailles sont en papier. Ce n'est qu'une farce qui se tient devant eux, c'est ce que Caleb et Yeshua vont leur dire. Mais ils ressemblent à des fruits déjà décollés de l'arbre, de l'herbe découpée, vous n'avez qu'à cueillir. Et non, allez, on est reparti pour 3500 ans. 3500 ans, parce que la possession de la terre telle qu'on aurait dû l'avoir à ce moment-là, nous ne l'aurons finalement qu'au moment de la délivrance finale. Et c'est d'ailleurs parce que les nations le sentent tellement que, comme le dit le roi David dans le deuxième psaume, le roi David a déjà tout prévu. L'amarakshu goyim. Pourquoi les peuples se mettent maintenant à faire des complots et à faire des réunions et à faire des... Pourquoi? Parce que al Hashem ve'al Meshicho, contre Dieu et contre son Messie. Les nations savent que ça y est. Mais en tous les cas, on a pris 3500 ans de retard. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui leur a pris, Ribono Shel Olam? Qu'est-ce qui leur a pris? Et je vous assure que tout ce qui a déjà pu être dit jusqu'à aujourd'hui n'est même pas encore l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre. Personne ne sait. Mais qu'est-ce qui a pu se passer, Ribono Shel Olam? Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Et jusqu'à aujourd'hui, on en paye les conséquences, puisque la conséquence, c'est l'exil. Et comme de l'exil, on n'est pas encore complètement sorti, donc jusqu'à aujourd'hui, on en paye la conséquence. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant de rentrer plus profondément
dans le vif du sujet, je tiens juste à vous faire remarquer quelque chose d'assez extraordinaire que je suis certain d'avoir déjà fait remarquer l'année dernière, mais comme c'est véritablement quelque chose qui passe trop vite sous silence, je veux le rappeler. Vous savez que ce quatrième livre que nous avons commencé, le livre de Bamidbar, s'appelle aussi dans le jargon, on pourrait dire rabbinique, le livre des révoltes. Parce que toutes les grandes révoltes d'Israël ont eu lieu dans ce livre-là. À l'exception d'une, et il y a aussi un sens à cela, mais ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, la faute du veau d'or, qui elle est dans le deuxième livre. Mais toutes les grandes fautes qui symbolisent toutes les révoltes d'Israël dans son histoire, et comme Israël est le laboratoire de l'humanité, donc toutes les révoltes de l'humanité sous toutes leurs facettes, se trouvent donc dans ce quatrième livre, mais en vérité les révoltes ne commencent qu'au milieu de la paracha de la semaine dernière, au milieu de parashat Baalotecha, et jusqu'à la fin du livre. Donc, pratiquement toutes les parachiotes sauf une et demie. Puisque Baalotecha est là, sauf deux et demie. Elle commence à la moitié de la troisième paracha. En tous les cas, ça commence par une révolte qui ne prend que trois ou quatre versets dans la Torah. D'accord ? Ils étaient comme des mitonénimes, ils ont commencé à se plaindre, et on ne sait pas trop d'ailleurs de quoi. Et à ce moment-là, Hachem s'est mis en colère. Il a envoyé un feu qui a touché une partie du camp. Première révolte. Deuxième révolte, un peu plus explicite. Ils en avaient marre de manger de la manne et ils ont dit, d'accord, on aimerait bien un bon steak frites. Très bien. Toujours cette référence aux États-Unis. Les Israéliens sont absolument incapables d'être pour eux-mêmes. Dit un falafel, j'en sais rien, non. Steak frites, ils veulent de la viande. Bon, peu importe, déjà à l'époque, vous voyez, ça nous poursuit. En tous les cas, cette deuxième révolte est un peu plus explicite déjà. On voit de quoi ils se sont plaints. Et après, ça devient de plus en plus explicite, comme dans notre paracha où c'est clair. La semaine prochaine, Korar, après Zimri, Pinchas, Balak, tout est clair. Mais la plus mystérieuse est précisément la première de toutes. Quelques versets pour dire ils se sont plaints. Mais ils se sont plaints de quoi? Très bien. Bien sûr, Rashi fonce comme un aigle sur ce passage et il commente. Il explique, c'est d'ailleurs magnifique et passionnant de voir ces explications parce que c'est même intéressant sur le plan historique. Il nous explique que les Juifs étaient, Israël était au pied du mont Sinaï depuis un an moins 10 jours. On était arrivé le premier jour du mois de Sivan après la sortie d'Égypte, donc 2 mois et demi, 3 mois après la sortie d'Égypte. On avait à cet endroit-là reçu la Torah, et ça faisait 1 an moins 10 jours qu'on n'avait pas bougé. Et on arrive, et Rashi le prouve de la Torah bien sûr, mais peu importe, Rashi prouve qu'au moment où commence la première révolte, on est le 20 du mois de Iyar, de l'année d'après. Donc 10 jours avant le premier Nissan de l'année d'après pour faire 1 an complet. Donc 10 jours avant que se termine une année de présence au pied du mont Sinaï, 20 Iyar, premier Nissan, Dieu leur dit, allez, on lève maintenant le camp, on se dirige en Eretz Israël. Regardez ça. Mais seulement Hachem a en tête de les faire arriver en Eretz Israël absolument encore au mois de Iyar. Oh là là. Mais Rashi, tu sais ce que tu es en train de nous dire? Encore au mois de Iyar, il faut qu'ils arrivent en Eretz Israël au mois de Iyar. Vous comprenez pourquoi j'insiste? Celui qui ne comprend pas, je ne peux rien faire pour lui. Au mois de Iyar, je vais faire la parenthèse, je n'ai même pas envie d'expliquer. Je vous laisse avec le mystère. Très bien. Et donc il faut absolument qu'ils arrivent en Israël au mois de Iyar encore. Et donc eux, ça fait 1 an qu'ils ne bougent pas, vous imaginez. Bon, je veux dire, l'inaction, le cholestérol, la triglycérine, et tout, ils sont gros. Bon, ah, ça va. Non, non, allez, dépêchez-vous. Et la Shrina, la présence divine qui va devant eux, va très très vite. Et à ce moment-là, dit Rashi, ils trouvent la première occasion. Maintenant, je traduis Rashi en français. Ils trouvent la première occasion de se révolter. Ils inventent un prétexte, dit Rashi. Ils louent Halila. Ils inventent un prétexte et ils disent la chose suivante. Hey, ça suffit hein, de nous faire courir comme ça. Hein. Si c'est à ce prix-là qu'on doit avoir cette terre, on ne veut pas.
paf. La première révolte concerne donc pas un refus, mais un râle, comment dire, ils ont râlé sur la manière dont on les amenait en Eretz Israël. Ça aussi, je ne sais pas si dans ce coup je pourrais expliquer pourquoi ça a commencé comme ça, mais en tous les cas, ce qui m'intéresse pour l'instant, parce que je ne peux pas tout expliquer tellement il y a de notions à voir aujourd'hui, ce que l'on comprend de ça, c'est que Rashi nous met en évidence que finalement, le livre des révoltes commence avec aussi une révolte en ce qui concerne l'entrée en Eretz Israël. Ce qui veut dire que notre paracha qui suit celle de la semaine dernière n'est que l'explosion de quelque chose qui était déjà latent, qui était déjà potentiel, et c'est la raison pédagogique pour laquelle la Torah n'explicite pas quelle était cette faute, parce que la non-explicitation montre que c'était potentiel, ça ne se voit pas encore, mais il y avait, voilà, sauf Maasé, ça s'est dévoilé dans notre paracha, mais déjà dans le fond du fond, Israël ne voulait pas aller vers cette terre. Et dès qu'ils ont trouvé un prétexte pour dire « Allez, laisse-nous », ils l'ont trouvé. Rachidi, c'était une ila. Ils ont cherché un prétexte, c'est-à-dire qu'eux-mêmes n'y croyaient pas, mais il fallait bien s'accrocher à quelque chose, et ils ont invoqué la fatigue du chemin. Et quand ils ont vu que le bon Dieu ne se laisse pas faire et continue à les amener vers la frontière, à ce moment-là, l'explosion dans notre paracha. Alors c'est comme ça, eh bien on n'en veut pas. Maintenant on te le dit, allez, on te dit clairement, on n'en veut pas de ta terre. Mais comment c'est possible? Alors maintenant, situons les personnages. Les personnages sont l'élite spirituelle d'Israël. Pour que vous compreniez bien de quoi je parle, sur Moshe, il est dit, et je vais l'expliquer tel que le Zohar l'explique, Va'ata techazé. Moshe avait la capacité, c'est un verset dans la Torah, que quand il voyait quelqu'un, il faisait son scanner spirituel. Il savait exactement où son âme est enracinée dans Adam Kadmon. Adam Kadmon, cette structure spirituelle fondamentale qui est le réservoir et la matrice de toutes les âmes d'Israël. Il voyait tous ses gilgoulim antérieurs et tout ce qu'il avait fait depuis qu'il était né. Et tous ces gilgoulim futurs. C'est-à-dire que Moshe, quand il voyait quelqu'un, il le voyait entièrement. C'est-à-dire que si Moshe désigne quelqu'un à un poste, c'est d'ailleurs dans ce contexte-là qu'on apprend à Tatechazé qu'il voyait tout, comme un scanner, c'est pour bien nous faire comprendre que si Moshe dit « Toi, tu as tel poste de responsabilité », c'est que c'est le top du top du top pour jouer ce rôle. Donc lorsque Moshe désigne un juge, ça ne peut pas être le meilleur. Lorsque Moshe désigne un enseignant, ça ne peut pas être le meilleur. Lorsqu'il désigne un conseiller, ça ne peut pas être le meilleur. Lorsqu'il désigne un soldat, un militaire, un officier, un général, ça ne peut pas être le meilleur. Il ne prend que les meilleurs, puisqu'il voit tout. Donc pourquoi se priver du meilleur quand on peut l'avoir? Lui, il n'a pas de problème, pas besoin de CV. Son CV, c'est ses yeux. Ata techazé. Donc quand il désigne, dit dirigeant d'Israël pour cette mission d'aller voir la terre et de revenir avec de bonnes nouvelles pour renforcer Israël avant d'y rentrer, vous imaginez que Moshe prend les meilleurs pour cette mission. Ils s'avèrent être les plus nuls, les plus catastrophiques, puisque ces meilleurs, on leur doit 3500 ans de souffrance. Donc, mais Moshe ne peut pas s'être trompé. Moshe ne peut pas s'être trompé. Soyons sérieux avec notre Torah. Moshe, quand il dit « J'ai pris les 12 meilleurs », a véritablement pris les 12 meilleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé que même Moshe ne savait pas? Même Moshe s'est laissé prendre au piège. Je vous assure, même eux ne savaient pas. D'où on le sait, Rashi. Rachid nous apprend que quand ils sont partis avec l'intention de revenir avec de bonnes nouvelles. Ils sont partis tzadikim, dit Rachid, avec aucune mauvaise intention, avec que de bonnes intentions. Mais là-bas, quelque chose s'est passé qui a tout changé et qui a eu force sur eux et sur tous les événements à suivre, sauf sur deux. Caleb, dirigeant de la tribu de Yehuda, Yehoshua, dirigeant de la tribu d'Ephraïm, la Judée-Samarie.
Mais oui, évidemment qu'ils la veulent, la Judée-Samarie. Évidemment. Depuis l'origine de notre histoire, la Judée-Samarie sont les deux territoires les plus juifs que nous n'avons jamais eus. Ceux qui appartiennent à ceux qui n'ont pas fauté contre notre terre. Vous comprenez pourquoi tout le monde veut la Judée-Samarie. À ce qu'il est fort, le Satan, ce qu'il est fort. Il sait où attaquer Israël. Prive-le de la Judée-Samarie, tu le prives de tout. Parce que là-bas est sa force. Caleb et Yoshua, ceux qui ont reçu comme territoire la Judée pour Caleb et la Samarie pour Yoshua. On ferme la parenthèse, c'est pas le cours d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors mes amis, on va, dans ce cours, ouvrir une très 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 grande porte, Be'ezrat Hashem. C'est pas un cours évident, c'est un cours sur lequel il y a des kitrougim inimaginables, et un cours duquel, s'il a lieu normalement tel que je le prévois, on ne sortira pas, et surtout moi je ne sortirai pas indemne de ce cours. Et donc on ferme la parenthèse et on continue. Le Zohar explique que tous les espaces et tous les temps ont une racine spirituelle qui est bien sûr liée aux attributs divins, c'est-à-dire ces forces, ces lumières spirituelles qui créent la réalité racine dont notre réalité n'est que le reflet. Les temps ont une Sphira, un attribut qui leur correspond très facile. Yom Rishon, Chesed, Shabbat, Malchut. Les terres aussi ont un attribut qui leur correspond. Et de la même manière que le temps qui correspond à Malchut, à royauté et Shabbat, la terre qui correspond à la royauté, à Malchut, est la terre d'Israël. Le Zohar consacre à cet enseignement des dizaines et des dizaines de pages éparpillées dans ces milliers et milliers de pages. C'est un sujet qui revient très 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 souvent. Pas seulement dans le Zohar, dans les écrits du Ari HaKadosh, dans les écrits des grands maîtres de la Chassidout. C'est une notion qui traverse les siècles. La terre d'Israël a pour sphira en haut la Malchut, la royauté. C'est une indication extrêmement forte, parce que vous allez voir comment, d'une manière, encore une fois, plus que providentielle, le cours d'aujourd'hui n'aurait pas pu être fait sans les trois cours de la semaine qui ont précédé dans un autre sujet, mais qui, par un véritable miracle, nous permettent de relier deux sujets tirés de textes complètement différents, et encore en plus la même semaine et jour après jour. Mais en tous les cas, à un premier niveau, je vais expliquer de la manière suivante. Regardez, le premier rachi de la Torah, sur lequel on revient aussi constamment et constamment et constamment, et je relève le défi de ne jamais vous fatiguer, même si je le répète des milliers de fois ce premier rachi, parce que je vous promets de pouvoir à chaque fois vous dire quelque chose que vous n'avez encore jamais entendu. Parce que c'est un rachi de la Torah, donc c'est forcément infini. Et on revient sur ce premier rachi qui ne trouve rien d'autre à nous dire au début de la Torah, et quand on sait que les maîtres d'Israël parlent selon le principe fondamental du cerveau qui contient tout le reste, c'est-à-dire que le premier enseignement est l'enseignement cerveau, ce qui veut dire que l'enseignement de rachi qui se situe au début de tous ces enseignements est l'enseignement cerveau de tous les commentaires de rachi sur la Torah. Et c'est quoi le cerveau de Rashi ? Un jour viendra où les nations vous diront le X du mois de septembre de l'année 2011. Vous êtes des voleurs, vous avez pris une terre qui ne vous appartient pas. À ce moment-là, Israël répondra : Dieu est le créateur et le maître et le dirigeant de ce monde. C'est lui qui nous a donné cette terre, le monde lui appartient, et si vous avez un problème, demandez-lui à lui des comptes, pas à nous. Voilà le premier rachi de l'histoire. Rachi, tu as vécu au Moyen-Âge. Le X du mois de septembre qui approche t'intéressait à ce point-là pour que tu en aies fait
ton commentaire cerveau. Quand je dis le X du mois de septembre qui approche, en fait, le problème s'est posé dans tous les septembres noirs de l'histoire d'Israël. Septembre noir. Tiens, ce ne sont pas des Israéliens qui ont massacré des Palestiniens, septembre noir. Septembre noir. C'était qui? C'est le Jordanien. Oui, bien sûr. C'est quand même incroyable comment l'histoire. Tiens. On veut sauver les Palestiniens le mois qui devrait rappeler aux Palestiniens que les plus grands massacreurs de Palestiniens sont. Bien sûr, septembre noir. Mais c'est pas grave, je vais faire la parenthèse. Mais c'est vrai, les nations s'en foutent. Parce qu'il n'y a qu'à voir ce qu'elle laisse faire en Syrie, pour savoir que de toute façon, le sang d'un arabe n'a aucune importance aux yeux des Européens. Ils s'en foutent royalement. Ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est comment les Arabes ne s'en rendent pas compte. Mais si un juif ose respirer devant un arabe, alors là, tout le monde lui rentre dedans. Pas pour l'arabe, parce qu'on ne supporte pas un juif qui respire. On vous croyait tous déjà depuis tellement longtemps transformés en cendres. Vous êtes insupportables. Vous continuez à respirer. Donc c'est peut-être pour ça que la Providence leur fait faire tout ça un mois de septembre, comme pour leur dire bande de salauds. Le mois de septembre, qui symbolise le massacre de Palestiniens par des Arabes, et ce jour-là, soi-disant, etc., etc. On ferme la parenthèse. En tous les cas, on continue le cours. Donc, la terre d'Israël, nous dit Rashi, est convoitée, est revendiquée par les nations, et nous sommes traités de voleurs. Et la réponse est, dit Rashi, que nous devons leur dire, Dieu est le maître du monde. Qu'est-ce que Rashi tendra à nous faire comprendre en vérité, puisque c'est le Rashi cerveau? C'est que tout le projet d'Israël est de dévoiler que le monde, la terre, appartient à Dieu. C'est le projet d'Israël. Et donc automatiquement, pour qu'il y ait projet, il faut tout ce qui compose un projet divin, un but, les forces positives et les forces contraires, et un acteur. Le but, dévoiler que Dieu est roi sur le monde entier. Le moyen, construire une nation sur terre qui dévoilera la royauté de Dieu. Et quelles sont maintenant les forces du bien et les forces du mal? Ben, ce sont toutes les forces positives et négatives qui vont, autour de ce problème, nous permettre d'avancer ou nous empêcher d'avancer. Ce qui veut dire que pour le peuple juif, toutes les forces contraires se situent justement au niveau de sa relation avec la terre d'Israël. Pourquoi? Puisque c'est son projet, c'est donc à cet endroit-là que Dieu va investir tout le potentiel de forces positives et négatives en vertu du principe du libre arbitre. Là où il y a un projet et qu'on te donne les moyens positifs de le réaliser, on te donne au même endroit, au même moment, autant de forces contraires pour t'empêcher de le réaliser. Donc c'est pour ça que Rashi nous parle de cette revendication des nations, parce que c'est tout le projet d'Israël de dévoiler que Dieu est roi sur terre. Et donc, puisque c'est notre projet, on ne peut y arriver que par des efforts. Et puisqu'il faut des efforts, il faut des forces contraires. Et les forces contraires, ce sont tous ceux qui nous empêchent de dévoiler la royauté de Dieu sur terre. Donc on comprend ce que Rashi veut dire. On comprend aussi, à un premier niveau, pourquoi Israël lui-même ne veut pas vraiment de cette terre. Parce que son Yetzer Hara se situe à ce niveau-là. Son Yetzer Hara, son mauvais penchant s'exprime là-dedans, plus que nulle part ailleurs. Et pourquoi? Parce que si le projet d'Israël était par exemple de dévoiler l'amour entre les hommes, alors il aurait eu un Yetzer Hara à ce niveau-là. Si le projet d'Israël était de dévoiler la justice sur terre, alors il aurait eu un Yetzer Hara dans ce domaine-là. Si le projet d'Israël était de dévoiler la vérité, il aurait eu un Yetzer Hara dans ce domaine-là.
Je ne dis pas qu'il ne l'a pas, mais ce n'est pas là que le Yetzirah frappe le plus fort. Et vous savez pourquoi? On n'a jamais vu des grands maîtres d'Israël idolâtres. On n'a jamais vu des grands maîtres d'Israël assassins. On n'a jamais vu des grands maîtres d'Israël débauchés. Mais par contre, on voit dans toute l'histoire des grands maîtres d'Israël contre la terre d'Israël. Et les premiers étaient les Meragelim, les explorateurs, les 12 plus grands maîtres d'Israël dans cette génération. Je dis qu'on ne sortira pas indemne de ce cours. Vous comprenez ce que je dis? Le Yetzirah n'a la force d'attaquer même les meilleurs d'entre nous que là où se situe le vrai projet. Et donc le Yetzirah n'est pas intéressé à faire tomber les maîtres d'Israël dans la débauche, le vol, le meurtre, l'idolâtrie, ça n'intéresse pas, c'est pas le projet, il n'a pas de temps à perdre le Yetzirah. Il n'a que 6000 ans pour réussir, on lui a donné que 6000 ans pour réussir. Donc ça n'intéresse pas de faire tomber nos grands dans le meurtre, la débauche, l'idolâtrie. Le peuple, oui, mais pas les grands. C'est une perte de temps. Pourquoi? Parce que je te fais fauter dans quelque chose qui n'est pas le vrai projet. Mais où le Yetzirah va mettre tout le paquet? Dans le projet. Et le projet, c'est la construction en Eretz Israël d'une nation qui dévoile la royauté divine, avec tout ce que cela implique, et aussi époustouflant que cela puisse être, les premiers à constamment mettre des bâtons dans les roues à ce projet sont les grands d'Israël. Dans chaque génération, ça prend une autre forme, mais c'est comme ça. Incroyable. Incroyable. S'ils écoutent mon cours, il n'y a que deux possibilités. Soit ils sont sauvés et c'est la délivrance finale, soit je suis excommunié. Mais il n'y a que deux possibilités. Je ne sais pas laquelle ils choisiront. Et donc, en tous les cas, on comprend donc ce qui est en train de se passer à un premier niveau. Rashi nous prévient, sache que tout le projet, c'est la terre d'Israël pour dévoiler la royauté. Donc, tout le monde va mettre le paquet à cet endroit-là, les nations de leur manière. Et notre paracha nous dit, mais ne vous inquiétez pas, les nations elles-mêmes, le fameux sod de la Yénika, elles ont sur qui puiser leur insolence. Parce qu'au sein même d'Israël, il y a une telle confusion que finalement, et puis si ce n'était une confusion qui ne vient que de ceux qui le Shabbat après-midi n'ont rien d'autre à faire que de défiler à Tel Aviv pour être les premiers, parce que les Juifs veulent toujours être les premiers, même dans les pires conneries, pour être les premiers à annoncer la création de l'État palestinien, Shabbat dernier à Tel Aviv. S'il n'y avait que cela, les nations n'auraient pas sur qui s'appuyer, parce que cela, on sait très bien ce qu'ils ont fait 5 minutes avant et ce qu'ils vont faire 5 minutes après. Que Dieu leur pardonne. Mais les nations se fondent aussi et surtout sur des gens beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sérieux. Et quand les nations grattent un petit peu et qu'elles cherchent ce qui se passe au niveau de ce qu'il y a de sérieux chez nous, ils se rendent compte que finalement, même au niveau des gens sérieux, c'est pas évident ce qui se passe depuis 60 ans ici. Et bon, je ne veux pas leur donner trop d'arguments, ils en ont déjà suffisamment assez. Mais en tout cas, les maîtres d'Israël, ce qu'on ne peut pas soupçonner 5 minutes avant la manifestation ou 5 minutes après d'avoir fait je ne sais quoi, ceux-là aussi ne sont pas toujours très chauds, très emballés par le projet herzélien ou je ne sais quoi, sioniste. Ils ne sont pas non plus très emballés ceux-là. Donc finalement, vous avez qui pour vous défendre? Arrêtez de nous dire, vous, les Israël aux nations, qu'on est antisémites. Mais même vous, vous êtes partagés sur ce sujet. Et combien d'entre vous, finalement, qui ont, malgré tout, de grandes responsabilités sérieuses dans votre peuple,
verrait pas forcément d'un si mauvais œil qu'on coupe Jérusalem en deux, hein. Alors la Judée, la Samarie, je vous en supplie, ça fait longtemps qu'elle est déjà coupée dans la tête de tellement d'entre nous et même parmi les meilleurs. Je referme la parenthèse. Maintenant, on va être un peu plus sérieux encore, un peu plus profond. Et là, je vais déchiffrer avec vous le mystère du mystère grâce à tous les cours donnés cette semaine. Le Zohar nous révèle que la terre d'Israël est reliée à l'attribut de la malchoute de la royauté. Mais qu'est-ce que nous avons expliqué jusqu'à hier et surtout hier dans ce magnifique cours sur les deux Torahs? La Torah des Kohanim, la Torah de l'absolu, et la Torah des rois, la Torah du temporel, du relatif, la Torah de ce monde. La Torah qui descend, qui s'habille, qui comprend, qui respecte ce monde, qui en épouse les formes et qui veut avancer avec lui et non au-dessus de lui ou contre lui ou pire encore, sans lui. C'est ça la Torah de la royauté. Mes amis, Moshe est un Lévi. J'espère que lui me pardonnera pour ce que je vais dire maintenant, parce que hier on a descendu Shmuel, qui était aussi un Lévi. Mais Shmuel, il fait moins peur. Mais là, on s'attaque à Moshe. Moshe est un Lévi. Il a donné à Israël la Torah écrite. Rappelez-vous le cours d'hier sur la Torah écrite, la Torah de l'absolu. Tiens, comme par hasard, Moshe le Lévi qui donne la Torah de l'absolu ne rentre pas en Eretz Israël. Toute ressemblance avec des cours donnés cette semaine n'est que fortuite. Tiens. Sa génération est forcément une génération dont toute l'inspiration est la Torah des Lévi'im, la Torah absolue, la Torah qui est au-dessus du monde, qui ne supporte pas les détours et les méandres et les complications et les concessions de tout ce qu'une vie sur terre oblige à faire. La génération de Moshe, c'est une génération orthodoxe. D'ordéa. On l'appelle d'ordéa, la génération du savoir. C'est la génération qui voit tout de très haut, qui est dans sa tour d'ivoire représentée par les nuées, qui fait comme ça et le pain lui arrive jusque dans la bouche. Elle ne sait pas, cette génération, ce que ça veut dire être sur un tracteur, déchiffrer des champs, et devoir monter la garde pour pas que les récoltes se fassent attaquer par des bédouins ou pire encore la famille. Elle ne comprend pas, cette génération, ce que signifie vivre concrètement dans un monde qui refuse l'absolu. Parce qu'il est trop concret pour se nourrir de grandes idées. Eux, ils savent pas ce que ça veut dire. Ils ont soif, ils tapent sur le rocher, l'eau elle vient. Ce sont des métaphores, bien sûr. Je ne dis pas que ça n'a pas existé, mais des métaphores telles que moi, je le dis. Et pour comprendre, dans leur relation avec ce monde, c'est une relation complètement surnaturelle. Et eux sont à la source de la Torah de l'absolu, la Torah de Moshe. Et Moshe lui-même vit cette Torah, la Torah des Kohanim. Et lorsqu'ils arrivent en terre d'Israël, et que dès qu'ils passent la frontière, leur connexion spirituelle en haut est débranchée et on les branche à la prise de la malchoute. Paf ! Court-circuit. Ils paniquent, ils ne comprennent plus. Où est le branchement ? Où sont les certitudes ? Où est l'absolu ? Ils ne comprennent pas, ils paniquent. Mes amis, le grand, le très grand, l'immense, notre majesté Rabbi Shimon Bar Yochai, roi et empereur de la Torah, nous révèle ce secret. Lorsqu'il dit que la raison profonde pour laquelle les explorateurs ont fauté, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils ne seraient plus dirigeants d'Israël une fois arrivés en Eretz Israël. Celui qui ne fait pas l'effort de comprendre ce que dit notre roi risque de commettre un grave crime en falsifiant ce que dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ne dit pas qu'ils étaient accrochés au pouvoir comme nos députés ici ou nos députés ailleurs. C'est pas de ça qu'il parle. On parle de 12 des plus grands maîtres d'Israël choisis par Moshe. C'est pas de ça que Rabbi Shimon parle. C'est beaucoup plus profond.
Il veut que j'explique. Dans le désert, ils étaient dirigeants d'un peuple dirigé par la Torah des Lévi'im, par la Torah écrite, par la Torah de l'absolu. Mais arrivé en Eretz Israël, quelle Torah va régner ? La Torah de la royauté, celle qui sait descendre dans le monde, celle qui arrive à associer la réalité à la vérité, celle qui sait que tout ce qui se passe sur terre n'est que l'habit de notions extrêmement profondes et thoraïques aussi. Mais ce n'est pas évident de le voir, parce qu'il faut rentrer dans les méandres de ce monde, de la politique, de l'actualité, et retrouver le sens et le message, le divin à l'intérieur de toute cette saleté. Ça, ils ne sont pas capables de le faire. Ce ne sont pas des rois, ce sont des Lévi'im dans le sens de leur structure nishmatique. Et ils comprennent que si le peuple rentre en Israël, c'est une nouvelle Torah qui va devoir prendre la direction. Et cette Torah, eux, ils n'y comprennent rien. Ils ne veulent même pas faire l'effort de la comprendre. Et ils la voient avec dédain. Avec dédain. Parce que eux voient la Torah à un niveau qui est complètement désincarné, spirituel, religieux, qui ne tient pas compte du monde. Mes amis, vous avez tout compris. Et pourquoi les deux et uniques qui n'ont pas fauté sont Caleb et Yehoshua, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Ceux qui vont donner naissance aux deux véritables constructeurs d'Israël en tant que nation sur sa terre. Les deux qui sont habilités, l'un plus que l'autre bien sûr, Caleb plus que Yehoshua, Yehuda plus que Ephraïm. Les deux qui sont habilités à être les porte-drapeaux de la Torah de la royauté. Les deux s'appellent Mashiach, roi. Tiens, maintenant on comprend tout ce qui s'est passé. C'est pas que Yehoshua et Caleb étaient meilleurs que les 10 autres. Les 10 autres étaient aussi grands que les 2 autres. Mais lorsqu'ils sont arrivés ensemble en Eretz Israël, Eretz Amalchut, à ce moment-là, le grand tri s'est fait. Ceux qui étaient dans leur essence du côté de la Torah de la Malchoute n'ont pas eu de problème à faire ce changement psychologique, spirituel et à revoir la spiritualité d'Israël d'une autre manière parce qu'ils étaient prédisposés à le faire et à l'être. Et les autres, leur faute n'est pas de ne pas avoir été Yehuda ou Ephraïm, les deux Meshichim. Leur faute est de ne pas avoir voulu laisser le pouvoir à ceux qui maintenant devaient le prendre. Votre temps est fini. Allez, c'est pas grave. De toute façon, un député a une bonne retraite. Avec tout ce qu'il a volé au peuple, de toute façon, il continuera aussi jusqu'au dernier jour de sa mort. Les lois sont faites pour voler légalement. Donc vous continuerez à avoir vos retraites et vos sorties et vos voyages gratuits et vous ne paierez pas les téléphones et pas les impôts et pas l'eau, l'électricité, etc. Continuez à voler, c'est pas grave. Mais laissez le pouvoir aux autres. Laissez Caleb et Yehoshua maintenant, diriger Israël. Là est leur faute, c'est ce que dit Rabbi Shimon. Ils n'ont pas voulu transmettre le pouvoir. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ils n'ont pas voulu accepter que la Torah pouvait être différente de ce qu'eux avaient toujours compris. Ils n'ont pas voulu accepter. Eux avaient appris que la Torah c'est comme ça. Et quand ils se sont rendus compte que la Torah d'Eretz Israël est une Torah nouvelle, différente, renouvelée, qui comprend et qui voit et qui explique les choses avec une autre dimension, ça leur a fait peur. Ils sont restés prisonniers à l'intérieur des remparts de l'orthodoxie, ils n'ont pas voulu bouger, et ça a été la catastrophe. Mes amis, ce que je vais dire maintenant est extrêmement difficile pour moi de le dire et pour tous de le comprendre. Je le dois à un de nos élèves qui a fait cette remarque hier à la fin du cours. Et c'était providentiel qu'il a fait cette remarque hier, parce que sinon j'aurais répondu spontanément, je n'aurais pas suffisamment pris de recul pour réfléchir. Entre-temps, j'ai eu presque 24 heures. Et ce que je vais dire, encore une fois, comme d'habitude, va me jouer des tours dans tous les sens, parce que quoi que je dise, de toute façon, je serai toujours perdant, pour tous. Parce que, comme vous le savez, très souvent,
tous désunis les uns les autres, mais tous unis contre un rav un tel ou un rav un autre. Quand il s'agit d'avoir une cible commune, toutes les tendances d'Israël se réunissent et se trouvent miraculeusement amies contre cette cible. Et je suis l'une de ces cibles-là. Je ferme la parenthèse. Un de nos amis, un de nos élèves a remarqué hier d'une manière vraiment époustouflante, et je ne sais pas comment le remercier de cette vraiment révélation pour moi, que finalement Rav Kook était un Kohen. Rav Kook, le grand Rav Kook, celui qui a été d'une certaine manière l'impulseur, je ne sais pas, on dit l'impulseur, le détonateur de cette Torah d'Eret Israël, c'est-à-dire de comprendre avec et grâce à Torah ce qui se passe. Surtout que lui était confronté à une situation mais inacceptable pour le monde religieux, toraïque, classique. Mais on ne peut quand même pas dire qu'une terre défrichée et réensemencée après 2000 ans d'exil par des juifs qui travaillent le Shabbat, cette terre-là est la terre que Dieu nous a promis. C'est impossible. On ne peut quand même pas dire qu'une nation dont certains dirigeants sont des mangeurs de cochons, c'est ce qu'on attendait après 2000 ans de souffrance. C'est impossible. Et vient le grand Kohen, le Kohen Agadol, et il va faire le tikkun. C'est pour ça qu'il était Kohen. Dieu va prendre dans la génération celui qui était le moins préparé à oser faire ce qu'il allait faire. Essayer d'expliquer d'après la Torah et la vraie, c'était pas un libéral. D'après la Torah, essaie de comprendre ce qui se passe. Il est le prédécesseur de tout ce qui après lui essayeront de trouver le lien entre l'actualité et la Torah. C'est le grand, 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 grand prédécesseur de tous. Précurseur de tous. Il n'y a pas beaucoup. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'interroge. Il y a deux possibilités. Ou je fais comme tous les maîtres de ma génération, presque. Je rejette. Ou bien j'essaye de percer le mystère. Et pour ça, il va falloir que je me salisse, parce que ça sent très mauvais à cet endroit-là. Ça pue terriblement pour un juif traditionnel qui est pétri de Torah et de tradition. Mais c'est le prix à payer. Descends dans l'histoire et tu découvriras le diamant. Quand on veut du pétrole, ou bien quand on veut un diamant, quand on veut de l'or, il faut être capable de se salir et de rentrer à l'intérieur de la terre, de se changer plusieurs fois d'habits parce qu'on se les est salis, jusqu'à ce qu'on trouve enfin la mine d'or ou le diamant. C'est ce qu'il fait. Pourquoi Dieu choisit un Kohen pour faire le tikkun de millénaires de Torah de Kohanim qui nous empêchent de reprendre véritablement possession de notre terre? Pas que tous étaient des Kohanim, mais ils fonctionnent comme des Kohanim. Et voilà que Dieu dit, le tikkun viendra, la réparation viendra du milieu de ceux qui l'empêchent, cette réparation. Il prend un Kohen, et celui qui connaît son histoire sait, et ô combien ultra-orthodoxe, de grandes familles de rabbanim, des deux côtés père et mère, un homme qui n'était pas du tout prédestiné pour avoir une prise de position tellement conciliante face à ce qui se passe il y a 150 ans, lorsque les abus étaient épouvantables au niveau religieux et moral, et surtout dans un contexte de religiosité où le peuple juif ne pouvait pas accepter que l'on fasse de telles choses à la terre d'Israël. La travailler le Shabbat, par exemple, c'était pire que de violer sa femme ou sa mère devant ses yeux. La terre d'Israël. Et voilà que cet homme, ce Kohen ultra-orthodoxe, qui va devenir le premier grand rabbin d'Israël, a le courage de descendre dans la saleté et de trouver le trésor. Il dit, ne vous inquiétez pas. Ici commence une nouvelle Torah, la Torah de la royauté. Et la Torah de la royauté, comme d'ailleurs toute la lignée messianique, passe par les poubelles de l'histoire. Lot avec ses filles, de là sortira le peuple duquel sortira Ruth, la mère de la royauté. Yehuda avec Tamar, celle qu'il voyait comme une prostituée, de là sortira Peretz, Yishai, la lignée des hommes,
Mais grand rabbin, rabbin d'Israël, ouvrez les yeux. Vous voyez bien que la royauté a choisi le chemin des poubelles pour devenir la plus belle. Vous le voyez bien. Donc ne vous étonnez pas de ce qui se passe sur votre terre. Elle commence dans la poubelle, mais elle deviendra très vite, si vous l'encouragez, la plus belle. Lui le comprend, il est le seul dans sa génération. Tout le monde lui tire dessus. Il est lâché par l'ensemble, pratiquement, du monde rabbinique de l'époque. Il est critiqué. Personne n'ose vraiment l'excommunier parce qu'il s'agit d'une montagne dans la Torah. Officiellement, on se tient à l'écart, mais derrière son dos, on n'en pense pas moins. Certains, les plus nuls et les plus petits, iront jusqu'à l'excommunier, mais ils ne sont pas représentatifs jusqu'à aujourd'hui. Il reste malgré tout une petite partie de ce monde orthodoxe. Mais quoi qu'il en soit, les dés sont jetés, l'ensemble de l'orthodoxie considérera toute cette entreprise comme ayant échappé au contrôle divin et considérant comme tous ceux qui veulent la cachériser comme étant des juifs à la limite. Si ils sont encore en train d'hésiter s'ils le signent, le décret d'excommunication du Rav Dinovich au moment où je parle, je vais donner la possibilité maintenant de signer en tenant leurs mains. C'est quand même étrange, étonnant, quoi qu'on puisse dire, que de tous les grands rabbins d'Israël, toutes tendances confondues, que le rabbi a reçu, chéri, aimé, respecté, comme il savait le faire, celui qui a joui du respect et de l'amour le plus grand était le Rav Mordechai Eliyahu, le grand rabbin d'Israël, mais aussi, comme on le sait, chef de file, représentant religieux de la tendance issue du Rav Kook. Je ne comprends pas pourquoi le rabbi n'a pas pris les précautions de se dire « Mais comment le monde va juger cet excès d'amour et de respect que j'ai pour ce grand maître ?» Surtout qu'il représente le monde des Kippot Srugot. Comment se fait-il qu'il n'a pas pris la précaution de se dire « Mais comment ça va être interprété ?» Je ne réponds pas, bien sûr. Car dire que je suis inexistant devant un tel maître, le rabbi, c'est encore très orgueilleux de ma part. Donc je ne répondrai pas. Je laisse la question ouverte. C'est intéressant, comment comprendre que de tous les dirigeants laïcs qui sont venus voir le rabbi, celui qui a joui du plus grand respect, du plus grand amour, était Zalman Shazar, deuxième président de l'État d'Israël. Tiens, deux juifs, un le laïc et l'autre le rabbin, liés à toute l'idéologie expliquée par le Rav Kook. Ça ne peut pas être comme ça, un hasard, ça ne peut pas être... Alors je sais ce qu'on va répondre, oui mais il y a des écrits, il y a des choses qui sont dites, on a des témoignages d'eux. Je ne cherche pas à imposer mon avis, je supplie simplement ceux qui m'écoutent d'accepter la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça ne peut pas être un hasard. À l'époque de Rav Mordechai Eliyahu, il y en avait des dizaines d'autres géants moins représentatifs, moins problématiques de toute une tendance idéologique qui semblerait ne pas être celle du rabbi. Lui, grand maître de l'orthodoxie, pur et dur. Je ferme la parenthèse, je continue mon cours. En tous les cas, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe ici la chose suivante, mes amis. C'est que bien sûr que mon cher Rabbeinu a choisi les meilleurs, mais il a choisi les meilleurs de la Torah que lui-même représentait. La Torah de l'absolu, la Torah qui dans notre langage moderne s'appelle la Torah orthodoxe, celle qui ne bouge pas, qui est le garde-fou de toutes les déviations et falsifications qui risquent d'être engendrées par des hommes comme moi. Moi, je suis un homme très dangereux. Et j'ai besoin de 10 orthodoxes autour de moi pour me cadrer. Parce que sinon, je peux partir dans le décor. Mais je n'ai pas moi fait le choix d'être ce que je suis et eux non plus. Eux sont enracinés dans la Torah écrite. D'autres sont enracinés dans la Torah orale. Les uns sont enracinés dans la Sfira de Tiferet
et les autres dans celle de Malchut. J'ai besoin de vous, mais vous avez besoin de moi. Je ne vous critique pas si vous ne me critiquez pas. Je vous aime si vous m'aimez. Soyons ensemble pour faire l'enfant que l'on attend tous, le Mashiach. Parce qu'il a besoin d'un homme que vous êtes. Il a besoin de la dimension féminine, la terre, que je suis. Ensemble, on peut avoir un enfant, le Mashiach. Mais si vous restez célibataire et moi je reste toute seule, alors on risque pas de faire venir ce Mashiach. Alors venez, on se marie une fois pour toutes. On ferme la parenthèse. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Moshe choisit les meilleurs. Et ils sont les meilleurs. C'est bon, ce que même Moshe ne savait pas, puisqu'il n'avait encore jamais été sur cette terre. Et il n'ira d'ailleurs jamais dans sa première vie, car il revient, bien sûr, c'est l'âme du Mashiach, comme on le sait, pour terminer ce qu'il a commencé. Mais lui-même ne savait pas ce qui allait se passer. Et quand les 12 arrivent sur la terre, il n'y en a que deux qui tiennent le choc de cette transformation inimaginable, de cette perception nouvelle du divin qui s'appelle la Torah de la royauté. Il y en a deux qui tiennent le choc, ceux qui donneront plus tard naissance aux deux Meshichim, les deux reconstructeurs d'Israël en tant que nation sur sa terre, Ben Yosef et Ben David, parce que eux sont liés à la Torah de la royauté. Mais les 10 autres ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Ils ont peur, ils paniquent. Oh, on a vu des tracteurs le Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne le dos ou on marche avec? Caleb leur dit, vous inquiétez pas, c'est effectivement une abomination. C'est vrai, maintenant je traduis. C'est vrai, ils ont la mesure de géants invincibles. C'est vrai, c'est horrible, c'est gigantesquement terrible, un tracteur le Shabbat sur notre terre. Mais il n'y a rien dedans, ça ne tiendra pas. Tzartzilam me'alehem. Ils n'ont pas de chayout, ils n'ont pas de vie. Ça ne tiendra pas, c'est éphémère. Le peuple juif ne pourra pas tenir avec ce genre de gens. Laisse-le passer par là. Les vrais reprendront vite les choses en main. Il n'y a pas de chayout dans cette idéologie sans âme. Mais il faut passer par là. Laisse, fais confiance au peuple juif. Il saura retomber sur ses pieds. Eux n'ont vu que le monstre. Des tracteurs. Le Shabbat. Caleb et Yefuna voient avec les yeux de l'amour véritable et de l'optimisme et de la foi dans ce peuple. Les géants tomberont. Il n'y a plus rien dedans. Ce n'est que maintenant, allons peut-être un petit peu plus loin. Imaginez-vous, je vais vous donner un exemple très concret dans la vie de tous les jours. Imaginez-vous un enfant qui a de bons parents. Mais les parents, comme souvent chez les bons parents, se sont mis en tête d'éduquer l'enfant avec de grands principes qu'eux-mêmes ont reçus de leurs parents, qui ont reçu de leurs parents. Mais ce que les parents de cette génération, dans mon exemple, ont oublié, c'est que le monde a beaucoup, beaucoup, beaucoup bougé. Et que la génération des enfants aujourd'hui n'est pas celle d'hier et encore moins celle d'avant-hier. Et on ne peut pas dire à un enfant aujourd'hui, c'est comme ça parce que je suis ton père. Ça se dit plus, même si c'est vrai et que ça devrait fonctionner. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça. Donc toi, tu as été éduqué avec des grands principes. Mais c'est d'air, parce que tu faisais encore partie de l'ancienne génération. Tes parents encore mieux et tes anges, très bien. Mais ceux-là font partie d'un autre monde. Rien que tu leur dis, c'est comme ça parce que je suis ton père, tu leur donnes toutes les bonnes raisons de te cracher au visage. Je ne justifie pas, mais c'est la réalité. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux possibilités. Moi, je ne bouge pas. Parce que c'est la vérité. Je suis le père. C'est vrai que tu es le père. Mais ça me fait penser à une autre histoire que je vous rappelle constamment. Quand des fois, un couple vient devant moi et qui m'expose le problème de l'un et de l'autre, très souvent pour... Débloquer le problème, pour faire rire un petit peu, quand on en fait rire, comment on dit pour eux, pour détendre l'atmosphère, je leur dis, mais c'est par contre sérieux ce que je dis, je ne sais pas si je pourrais vous aider, parce que le grand problème, c'est que vous avez tous les deux raison. Rien n'est plus dangereux dans un couple que d'avoir tous les deux raison. Parce que quand il y en a un qui a tort, avec un minimum de bon sens, de savoir-faire et d'honnêteté, il acceptera. Mais quand c'est vrai, des deux côtés, et ce n'est pas une contradiction, parce que l'un voit la vérité côté femme, l'autre côté homme. Ce sont deux angles de vérité. Mais ils ont tous les deux raison, qu'est-ce que tu peux faire? Avec l'absolu, tu ne peux rien faire. Qu'est-ce que nous apprend le maître du monde?
justement en matière de couple, qui est le modèle de tout ce que j'explique. Il dit, moi, j'ai pas hésité à effacer mon nom saint pour faire la paix entre un homme et une femme. Vous connaissez l'histoire avec la sota, etc. Ou avant de la faire boire, on prend un parchemin, on écrit le nom divin qu'on trempe dans l'eau, et les lettres s'effacent. Et tout ça dans le but de l'amener à réparer. Et qu'est-ce que nous disent les maîtres du monde, que nous dit les maîtres du monde, oui, ce sont les maîtres du monde, les maîtres du monde qui parlent du maître du monde, qu'est-ce qu'ils nous disent nos maîtres? Pourquoi Dieu efface son nom dans l'eau? Pour nous apprendre à tous que si lui est prêt à effacer son nom pour faire la paix entre un homme et une femme, tu vas rester de foi sur tes principes? Alors c'est pas grave si tu as raison, mais qu'est-ce qui vaut mieux, une séparation ou le shalom? Et qu'est-ce que tu en feras de tes raisons une fois que tu seras seul? Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Alors n'aie pas raison, mais restez ensemble. Donc, on continue. Si tu dis à ton fils, je suis le père, un point c'est tout, t'as raison. Et lui, s'il te crache au visage, c'est une ordure. Mais n'empêche que si après il claque la porte, il s'en va, et puis c'est 100 fois pire que tout ce qu'il y avait déjà, tu seras un petit peu, beaucoup, très passionnément responsable. Parce que tu avais raison. Donc il faut savoir ne pas avoir raison. Il faut savoir s'ajuster. Je n'ai pas dit renoncer, mais s'ajuster, ce qui est la plus grande de toutes les sagesses. Keter Malchut, le cours d'hier. Savoir se faufiler à l'intérieur des méambres de ce monde demande une sagesse plus grande et infiniment plus grande que de dire « j'ai raison » et même si c'est vrai. Et donc, si après l'enfant tourne mal, c'est la faute à qui? Eh bien, c'est la faute aussi aux parents. Ça, c'est clair. C'est absolument clair. Maintenant, on revient à Israël. En Eretz Israël, le peuple a besoin de la Torah de la Malchut. Il ne peut pas vivre avec la Torah de l'absolu. On vit aussi à Tel Aviv, à Ramat Gan, à Petah Tikva, à Tibériade, à Beersheva, à Ashkelon, à Netivot. On ne vit pas que à tel ou à tel endroit. On a besoin d'une Torah qui tient compte de la réalité concrète terrestre, sans se vendre, sans se trahir et sans trahir. Ce qui demande la plus grande des sagesses, qui demande les plus grands maîtres d'Israël. Maintenant, si vous dites non, 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 non. Très bien. Posons une question qui, évidemment, ne va que confirmer l'excommunication. Très bien, il faut respecter Shabbat. Je suis d'accord. Mais arrêtez de gueuler sur ce pauvre peuple. Il n'a qu'un jour de congé par semaine. S'il ne va pas à la plage le Shabbat, s'il ne va pas au cinéma le Shabbat, mais il va crever ce peuple entre les guerres, le terrorisme, le travail. Et le Shabbat, tu lui dis, reste enfermé chez toi à la maison, mais qu'est-ce qu'il va faire? Donnez-lui le dimanche au moins. C'est facile de dire, allez, pas le Shabbat. Mais donnez le dimanche. Au lieu de vous battre contre ceux qui profanent le Shabbat, battez-vous pour donner aussi le dimanche. Qu'il y ait une loi dans le pays, que tout celui qui fait Shabbat, je ne sais pas comment ça s'applique, mais peu importe. Celui qui fait Shabbat, eh ben on lui donne le dimanche. Pour se reposer, pour aller à la plage. Mais si on fait ça, avant que la loi soit signée, 90% des juifs ici seront chômeurs Shabbat, vous le savez tous, parce qu'ils le veulent tous au fond d'eux-mêmes. Tous, ils le veulent. Mais ils ne peuvent pas. J'ai une vieille maman malade à Tibériade. J'habite à Tel Aviv. Quand je vais la voir, ma maman? Quand? Quand je vais la voir? Ce n'est pas le samedi. Quand je vais la voir? Donc, il faut que la Torah descende. Il faut adapter. S'il y a un problème, on ne peut pas venir au nom de l'absolu, vous êtes des sales juifs, vous prenez la voiture le Shabbat. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le monde, il est là, bien réel, bien concret. Toi, évidemment, tu ne vas pas à l'usine, tu ne vas pas au bureau. Tu n'as pas ces soucis-là. Toi, tu n'as pas de problème. Quand t'en as marre, tu fermes ta gemara, tu sors dehors, tu fumes une cigarette. Tu n'as pas un patron sur toi qui te dit, alors j'attends le rapport. Mais alors, et pitié de ce pauvre peuple, arrêtez de le critiquer. Arrêtez. Donc, évidemment que c'est très grave de profaner Shabbat, mais c'est encore plus grave que d'interdire sans donner des solutions. Ça, c'est encore plus grave. Entre les deux, je préfère les premiers. Excommunier, c'est pas grave. Maintenant, on continue. Donc finalement, ceux qui sont arrivés en Israël
n'ont pas voulu accepter cette remise en cause d'une nouvelle Torah qui tient compte intelligemment de la réalité. Ils ont voulu rester figés dans leur nuée. Ils ont tout fait sauter. Et ça fait 3500 ans qu'ils continuent ENT à nous barrer la route et à nous empêcher de nous reconstruire en tant que nation. Parce qu'on leur fait peur, parce que le projet fait peur, parce qu'ils paniquent, parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils lisent dans leurs livres. Et ils nous empêchent. Comme l'histoire du fils avec le père. Mais si le fils va si mal, pose-toi peut-être toi la question, père. Mais moi, je vais donner le meilleur des enseignements. Mais on n'a jamais dit le contraire. Je suis le meilleur des pères, mais on n'a jamais dit le contraire. Mais c'est justement ça le problème, t'étais trop bon. Des fois, il faut savoir être aussi un petit peu. C'est pas bon, trop bon. Des fois, sois un petit peu con aussi. Ça veut dire, fais des choses qui ne sont pas forcément bien, mais comme ça, tu le sauves, ton fils. Voilà. Donc, les choses ne sont pas si simples que ça. D'accord. Maintenant, on va reprendre... Oui, tu as une question ? J'ai une question. Oui. Vous nous avez expliqué au début du cours que, qu'en fin de compte, le Satan, il s'attaque surtout, pas pour les grands d'Israël, surtout sur le fait du retour sur la terre. C'est la fin du cours. Attends, mais je vais te poser la question. Maintenant, on voit sur Adam Arishan, si on dit que le mal il s'attaque sur ça, on voit que dans l'origine, l'intention du Nahash était de faire tomber au niveau de la terre d'Israël. Donc ça veut dire, vous avez Dor Hader, il a parlé du Dor Hader, vous vous rappelez de Dor Hader? Oui. Or, l'Etz, il y avait le Etz Achaïm et le Etz Adahat. Donc si là il a poussé vers le Etz Adahat, c'est qu'il a poussé vers quelque chose, comme on dit, orthodoxe. Et on revoit souvent cette notion aussi dans cette paracha, on voit quelqu'un qui va aller prendre un amoureux de la terre d'Israël, qui va aller prendre Shabbat. J'ai déjà dit la dernière fois que j'avais déjà compris il y a quelques semaines, qu'à partir d'il y a quelques semaines, quand je m'absente, j'ai trouvé mon remplaçant. Et tu ne fais que le confirmer, tu es en train de dire toute la fin du cours. Quoi, avec le même le Etzadatobera, c'est tout le problème, c'est la fin du cours. Razak, merci. Tu ne fais que... Mais non, au contraire, bon Hachem, grâce à Dieu de pouvoir voir que tu es déjà au niveau et la plupart d'entre vous de deviner quelle va être la suite du cours. J'avais une chance en mieux. Non, c'est la fin du cours. Alors maintenant donc, d'abord la première chose que tu dis, tout ce que tu as dit c'est la suite du cours. Le début et la fin dans l'ordre. Première chose que tu as relevé, on comprend donc maintenant effectivement pourquoi... Vous savez que, je l'avais dit d'une autre manière dans différents cours, on s'aperçoit pratiquement que toutes les fautes qui ont été faites par Israël dans ce fameux livre des révoltes, et y compris celle qui a été faite dans le deuxième livre, le livre de Shemot, le veau d'or, toutes, sans exception, à part une exception, peu importe, mais pratiquement sans exception, nos maîtres toujours en évidence, prouvé par le verset que ce qui était à l'origine de la faute était toujours le fameux Erev Rav. Bien sûr, on consacrera aussi au Erev Rav un cours qu'il mérite, dans le bon sens du terme, bien sûr, pour qu'on comprenne une fois pour toutes ce que c'est le Erev Rav. Mais le Erev Rav fait allusion au niveau du cours d'aujourd'hui à toute cette multitude de non-juifs qui avaient rejoint Israël au moment de l'Égypte parce qu'ils étaient opportunistes et se sont dit, bon, autant viser sur le bon cheval, c'est eux qui ont l'air d'être des gagnants. Et en plus, c'était tous des anciens esclaves, prisonniers, qui de toute façon n'avaient rien à perdre, et ils se sont dit, allez, autant suivre les Juifs. Mais quand après, ils se sont rendus compte que c'est la pire des choses qu'ils pouvaient faire, que suivre les Juifs, mieux vaut être un esclave en Égypte que faire partie de ce peuple de fous, ils ont commencé à regretter, et ils ont été donc responsables de tout, d'énormément de problèmes qu'on a eu. Bon, fermons la parenthèse. Mais, quoi qu'il en soit, la plus grande faute de toutes, et la seule qui nous colle à la peau depuis 3500 ans, non seulement on n'a pas été provoqué par eux, on ne les entend jamais, ils n'en font pas partie, elles n'ont été faites celles-là que par des juifs bien chez nous, d'accord ? Et en plus, les meilleurs, le top du top. Comme la Torah se fiche de nous, comme elle est ironique. Ah, vous voulez constamment que ça va mal chez vous ? Dites oui, mais c'est la faute au Erev Rav, ne vous inquiétez pas. Je vous réserve une petite faute, allez, à la hèche, un petit mangal, bien croustillant. Que de chez vous, celle-là. Et celle-là, jusqu'à la délivrance finale. Les explorateurs. Alors, bien sûr, la réponse, c'est ce que tu as dit. Pourquoi il y a eu énormément de fautes qui ont été commencées par d'autres, que nous avons suivies, mais qui ne sont pas vraiment les vraies fautes? Parce que justement, ça commence par d'autres, parce que ce n'est pas vraiment le projet d'Israël.
même la faute du veau d'or. Maintenant, tenez-vous bien. Troisième décret d'excommunication. Même la faute du veau d'or qui touche quand même le principe du Dieu un. Ça, c'est quand même notre projet, oui ou non? Même cette faute-là, nos maîtres nous disent qu'elle a commencé par le Erev Rav, comme pour nous dire, c'est pas le vrai problème des Juifs, ça. Donc, c'est bien, ils ont fauté, c'est d'aime. Allez, hop, c'est pas ça. Le Satan n'a pas besoin de se déplacer en personne pour ça, d'une certaine manière. C'est pas, c'est-à-dire, si, il se déplace, mais de mettre le paquet et d'attaquer les grands, parce que c'est pas le projet. Même le Dieu 1 n'est pas encore le projet. Disons que c'est l'avant-dernier. Mais le projet, le vrai, et la preuve, c'est que c'est la seule et unique fois que les forces contraires s'attaquent à tous les plus grands d'Israël en même temps. Parce qu'il y a eu d'autres fois où il y avait des grands, par exemple, comme avec Zimri bientôt, ou Korar. Mais c'est un. Là, c'est les 12 têtes d'Israël qui tombent, 10 sur 12. 10 tombent. Toutes les têtes d'Israël tombent. Jamais les forces contraires n'ont pu faire un exploit pareil. Parce que là, ça touche le projet, le vrai. Et maintenant, bien sûr, à partir du moment, et on termine, où c'est la faute fondamentale d'Israël, elle a forcément, bien sûr, une trace, une origine dans la faute fondamentale de l'humanité, qui sont, bien sûr, les deux arbres, la faute du Etz Hadaat Tov Vera. Décodons cette métaphore dangereuse parce qu'elle est tellement prenante que jusqu'à aujourd'hui des millions d'hommes et de femmes croient qu'il y avait vraiment un jardin avec des arbres et des fruits mortels, décodant le code pour arriver à comprendre ce à quoi la Torah fait allusion. Et bien sûr, le seul décodage possible, on le cherche, puisque j'ai commencé à l'appeler comme ça aujourd'hui, je continue, on le cherche chez notre roi Rabbi Shimon Bar Yochai, roi de la Torah, roi des secrets de la Torah. Et voilà ce qu'il révèle. Il révèle que ces deux arbres sont liés, représentent deux attributs divins. Je vais le dire, je peux arrêter le cours. Etz Hachaim, c'est Tiferet. Etz Hadaat, c'est Malchut. Et il rajoute Tiferet Torah Shebirtav, Malchut Torah Shebealpe, Malchut Pe Torah Shebealpe. Comme on a vu hier en Kelos, le roi écrit une Torah parlante. Il sait faire parler le texte. Donc, Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé. Très bien. Waouh ! Vous vous rendez compte ce qu'il est en train de dire ? L'arbre de la vie représente Torah chez Birtav, la Torah de l'absolu. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'arbre de la vie, parce que c'est tout le temps vivant. La Torah de l'absolu a traversé l'histoire. Et tous les coups portés contre elle ne l'ont même pas effleuré. Le bastion dur et pur d'Israël est aujourd'hui, en 2011, comme il était au début de la naissance d'Israël. Ils n'ont pas bougé d'un poil, c'est le cas de le dire. Il ne faut pas se toucher la barbe. Peut-être de la bonne expression, il ne faut pas se raser d'un poil. Non, je dis, à Picabala, on se rase pas du tout, même avec un ciseau. Je ne parle pas d'une lame de rasoir, que c'est interdit. Même avec un ciseau, on ne doit pas toucher. Moi, la mienne, elle est petite parce qu'elle ne pousse pas. Mais on ne doit pas toucher à la barbe. De là l'expression, ne pas toucher à un poil. Et bien donc, on voit que ce noyau dur et pur s'appelle Etz Hachaim. Il tient en lui une Torah qui traverse tout l'exil de la mort. Et il est toujours vivant, increvable, parce qu'il ne touche pas à un poil. Ils sont insupportables, on l'a déjà dit hier, on leur a dit aujourd'hui. Ils sont insupportables. Mais on peut leur dire merci. Parce qu'après tout ce qu'on tape sur eux, croyez-moi que s'il n'y avait que des gens comme vous et moi dans notre peuple, il n'y aurait plus personne pour parler de lui. Et donc, on continue. Ça, c'est le Etz Hachaim. Maintenant, Etz Hadaat, pourquoi s'appelle-t-il Rashbi? Dit pourquoi je l'appelle la Malchut? Pourquoi je l'appelle Torah Shebealpe? Et pourquoi la Torah l'appelle Etz Hadaat Tov Vera? Et Rashbi ouvre une clé incroyable, une porte incroyable avec une clé incroyable. Il nous dit non, il ne faut pas que tu lises l'arbre qui a à la fois des fruits qui sont bons et mauvais. Il faut comprendre des fruits qui tantôt sont bons, tantôt sont mauvais. Et il l'appelle l'arbre du changement. C'est pas stable, ça change tout le temps. C'est le monde de la malroute, c'est tout simplement le monde concret. Dans ce monde, tout bouge constamment. Ce que tu penses aujourd'hui, tu le contrediras demain.
Ce que tu aimes aujourd'hui, tu le haïras demain. C'est le monde des changements. Comment s'appelle le temps en hébreu? Shana. Shana veut dire quoi? Changement. Le temps s'appelle changement. Quelle merveille notre Torah. Et donc automatiquement, le temps des changements, avec le temps, on va, tout s'en va, etc. Très bien, ok. Et donc, il y avait l'arbre qui représente la Torah, qui s'adapte au changement sans trahir sa racine, ce qui demande la plus grande de toutes les sagesses. Et la Torah est sa chayim, l'absolu qui ne bouge pas. Et maintenant, regardez, quelle était l'épreuve incroyable de Adam. Maintenant, vous allez comprendre ce que vous avez sans doute lui entendu des centaines de fois, mais qui, je pense, grâce à ce que je vais dire maintenant, va enfin véritablement s'éclairer dans vos têtes. Quantité de commentaires, de toutes tendances confondues, dont un des plus célèbres qui a abordé ce sujet-là d'une manière, on pourrait dire, facile en relativement à comprendre pour le grand public, est le Rav Dessler. Je prends d'Afka cette source lituanienne, etc., pour vous dire que les sources sont éparpillées pratiquement différents endroits, mais qui conversent tous vers le même endroit. Qu'est-ce que dit le Rav Dessler, entre autres? Mais j'aurais pu rapporter la Chassidoute qui le dit 100 fois plus aussi. Mais peu importe, je fais exprès une source plus conventionnelle. Il explique qu'en vérité, l'épreuve de Adam, c'est qu'elle était contraire au sens et au but même de sa création. Il a dit ça aussi. Il doit y avoir une erreur. C'est comme si tu dis à quelqu'un qui s'est entraîné pour devenir qui a passé tous les examens avec succès, le premier de sa promotion pour devenir médecin, et à la fin tu lui dis, c'était une blague en vérité, on ne te veut pas médecin. Attends, 10 ans de ma vie, le meilleur. Non, je ne suis pas médecin. L'épreuve, disent tous nos maîtres, était que, en lui interdisant cet arbre, c'est comme si tout le but de sa création était nié. Pourquoi? Parce que pourquoi a été créé l'homme? Mais justement pour faire descendre Dieu sur terre, dans ce monde de changement. Parce que Dieu dans le ciel, c'est facile. Mais Dieu sur terre, il n'y a rien de plus dur. Qu'est-ce qui est plus difficile? La Torah de la Kehuna ou la Torah de la royauté? La Torah de la royauté. Et c'est comme si Dieu lui disait, non, tu peux rentrer à la yeshiva et étudier la Torah toute ta vie sans en sortir, et Tzachayim, mais surtout n'essaye pas d'être un juif qui étudie la Torah dans ce monde. Il dit, attends, je ne comprends pas. Fallait me créer ange. Ah oui, quand j'explique comme ça, tout le monde comprend. Hein. Fallait me créer ange, maître du monde, dans ce cas-là. Pourquoi tu m'as créé sur terre? Il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. C'est justement ça, la différence entre nous et les anges. Les anges sont toute la journée, toute leur vie à la yeshiva, et nous on est dans ce monde. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Laisse-moi rentrer dans ce monde de changement, pour que je puisse te prouver que je suis un homme et pas un ange. Très bien. Quelle était l'épreuve? C'est bien sûr des millions de cours en soi, mais dans le cadre du cours d'aujourd'hui, l'épreuve était l'épreuve de patience. C'est-à-dire, rentre dans Shabbat, maintenant je passe à un autre roi. Ou plutôt, pour respecter la hiérarchie, le Zohar est le roi, et maintenant la Kabbalah, le prince, le grand Ari HaKadosh, prince d'Israël. Qu'est-ce que nous explique maintenant le prince? Il nous dit la chose suivante. Tout le projet était que s'il avait attendu patiemment jusqu'à la fin du Shabbat, il aurait fait le quatrième repas du Shabbat sur cet arbre-là. Or, le quatrième repas du Shabbat, Melavé Malka, est le plus élevé de tous, d'après la Kabbalah, plus encore que les trois premiers. Ce qui veut dire que non seulement cet arbre était destiné à être mangé, mais il était destiné à être le repas par excellence. Avec un peu de patience, rentre dans le Shabbat, c'est-à-dire, prépare-toi, reçois des forces, arme-toi, et après descends dans ce monde, et tu vas le sublimer. Dis en français, c'est ça le mariage. Évidemment qu'il faut passer des années de sa vie, si on en a la possibilité, et toute sa vie, une ou deux ou plus d'heures par jour, si on en a la possibilité, à s'enfermer, étudier, méditer, s'accrocher,
vive comme un Kohen qui remonte constamment à la source, parce que sinon ce monde il va t'exploser. Mais le but c'est pas d'y rester, le but c'est de descendre. Il faut avoir les deux mouvements, Ratso, Vachov. C'était ça le symbole. Rentre d'abord dans Shabbat qui symbolise, on pourrait dire, l'enfermement à l'intérieur d'un monde exclusivement sain et protégé. Et de là, prends les forces de rentrer dans l'arène, de sanctifier ce monde. Quelle a été la faute de Adam ? Un excès d'orgueil et de confiance en soi. Mais non, je peux y arriver sans ça. À quoi il ressemblerait ? Maintenant, regardez dans le langage moderne ce que je vais dire. Vous savez quelle a été la faute d'Adam Harishon ? Il est le premier juif réformé de l'histoire. Il a dit, non, mais s'il faut s'adapter au monde, eh bien on va s'y adapter complètement. On n'a pas besoin du Shabbat. On n'a pas besoin de cette référence à l'absolu. On n'a pas besoin de ce retour et de cette connexion à la source. Rentrant dans le changement jusqu'au bout. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est déjà il y a quelques décennies, l'exigence moderne oblige, parce que les villes sont grandes, à se rendre à la synagogue en voiture, eh bien, c'est la Torah de la royauté, d'après la faute de Adam, bien sûr. Allons en voiture. Demain, il y a tellement de monde qui vient à la synagogue, puisqu'on accepte aussi n'importe qui, n'importe comment, qu'on n'entend plus le rabbin, ils font un micro pour faire la prière le Shabbat, mettons un micro. Et puis après, les gens ne voient pas très bien, alors comme a dit hier, qu'on montre sur écran la lecture de la Torah pour que tout le monde puisse suivre le Shabbat, bon, si j'en ai dans le ridicule, continuons. Et puis, si on en arrive à une situation, et sincèrement, mais vraiment sincèrement, je ne le dis pas pour critiquer, je ne le dis pas d'une manière ironique et péjorative, que Dieu me pardonne, mais sincèrement non. Et je continue. Et si on en arrive à une situation où la majorité de la communauté sont homosexuels, on peut aussi faire un mariage ou une roupa entre deux homosexuels avec un rabbin et un talit sur le... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas les marier, mais pourquoi sous le cadre de la Torah ? C'est tellement... Depuis quand la Torah, il y a un mariage entre deux hommes ? C'est pas que la chose me dérange, mais ce n'est pas la Torah ! Ah non, mais on l'a adapté ! Ça, c'est la faute de Adam Harishon. Tellement t'adaptes qu'il y a la malchoute, mais il n'y a plus Tiferet. Il y a le Etz Hadaat, mais il n'y a plus le Etz Hachaim. Toute la chorma, c'est d'arriver aux deux en même temps. Et comme je l'ai dit, malheureusement, les nuls ont choisi les deux camps, c'est-à-dire pas celui du juste milieu. Soit il y a les nuls qui s'accrochent au Etz Hachaim et qui disent « On ne bouge rien !» Mais entre-temps, vous ne vous êtes pas rendu compte que vous êtes resté tout seul sur l'arbre parce que tous vos enfants vous ont déjà quitté. Et il y a ceux qui disent « on s'adapte », mais eux aussi, ils se retrouvent tout seuls parce que quand ils se tournent, ils se rendent compte qu'il n'y a plus de juifs derrière eux. Parce que leur communauté, on ne sait plus trop qui y est. Et entre les deux, la minorité de ceux qui essayent de marier l'absolu au relatif, l'intemporel au temporel, et ceux-là sont les véritables maîtres d'Israël, et c'est de cela que sort le Mashiach. Mais c'est le chemin du juste milieu, qui est le chemin de funambule, le chemin qui est entre deux abîmes, deux ravins, et que le moindre, tiens, un rabbin qui est au milieu de deux ravins, et que le moindre faux pas, c'est la catastrophe. Et c'est pour ça que c'est le chemin que personne ne veut emprunter, parce que les deux autres sont tellement... plus facile, mais Ezrat Hashem, bien évidemment, terminons sur une note plus que positive et surtout plus que réelle. Tout celui qui vit ici et qui a les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, se rend compte que de plus en plus, notre peuple et notre nation est en train de prendre le chemin de la Torah de la royauté. De plus en plus de juifs reviennent à cette Torah, comprennent cette Torah, de plus en plus de maîtres enseignent et étudient cette Torah. Et c'est clair que notre peuple est en train de se diriger vers la réparation de la faute des explorateurs. Amen. Vechen Yeratzon.